Bonjour à tous, c'est Tivelius du 12, on se retrouve pour cette 12e et étape. C'est Peter Winning qui vient de porter ce démarrage. Pour cette 12e étape de notre Tour de France multijoueur communautaire, contre l'Admozan et le Plateau de Bay, je suis en compagnie de Frico. Salut. De Nintéo. L'écart est maintenant de plus d'une minute. Salut. Le tempo s'est ralenti, on ne s'entend plus en tête et du peloton. Et de Nautilus. Salut. Et évidemment de Patrick Chassé qui nous fait un peu chier. Bon. On fait avec ce qu'on a. Ouais, l'attaque de Marlou. Ouais, c'est ça, ouais. Ce qui s'est passé. Bon, qui dit 12ème étape dit un Aveyronnais dans l'échappée, bien sûr. Bien hein, sûr. Peter Winning, tout le monde le sait. Non, mais il revient pas. Regarde qu'il t'envoie dans l'échappée, sérieux. Hein. Ouais. Ah, c'est 77 cheaté. Ouais, c'est vrai qu'il. Ouais. Puis son Tour de France. Non, tu te fais lâcher, tu envoies quelqu'un d'autre. On roule pas si tu veux, mais t'envoies quelqu'un d'autre. Oh, si tu veux, j'envoie quelqu'un d'autre. Non, t'envoies pas mon Rabito. Putain, mais t'as même pas de 74 montagnes. Ah ben. Ouais, si. Sinon, moi, moi j'amène Katoski si vous voulez. Quoi, je vais mettre Costa si vous voulez. Ouais, je vais emmener Simon Yes là, on va se calmer. Hein. Mais non, mais Gatowski, moi c'est mon deuxième meilleur grimpeur. L'écart entre la tête de course et le peloton est de plus de 2 minutes. Bah ouais. Il a pas échappé tous les jours, hein. Là. Non, non, il était pas échappé. Non, non, pas tous les jours, ah. Pas hier. Non, il attaque tous les jours. Ah, il oui, attaque. Oui. C'est ça que je voulais dire. Putain, mais c'était en. Le super combatif du tour. Voilà ce qu'il va être à la fin. Oh, je pense qu'on peut mettre un x2. Oui, si tu veux. Enfin, ça va quand même avoir deux FDJ devant. Hein. Tu vas devoir assumer le poids de la course. Il est... Ouais. Devant et derrière, parce que derrière, c'est toi qui as le meilleur grimpeur. Et va est-ce que je vais encore me chier? Bah, c'était magnifique. Hier. Ouais, hier, c'était magnifique. Hein, le kéké là. Hier, c'était. J'ai gagné. Mais non. Je lève les bras. Alors que. On va à deux à l'heure, donc voilà, c'est pas la bonne idée en fait. Eh mais génial, ce qu'en fin de compte est resté. Bah oui, tu crois quoi. Mais ils lui ont demandé de l'arrêter et de faire... Ah par contre, tu roules. Eh, tu roules, hein. Ah oui, il roule, ouais. Renard. Ah non, ouais. Non, génial aussi, là. Ah, bah si tu veux. Bah, si tu... Bah, mais vas-y, le mec, il va fondre dans l'échappée, il va pas rouler parce qu'il a... Il a looké Raw aussi. Ouais. Bah ouais, c'est comme ça la vie. Je pourrais même pas dire tu roules pas, je roule pas parce que je vais me faire lâcher. La côte est redoutée par adieu, beaucoup de adieu Van Mar, pourcentage très vaillant particulièrement rude. Ouais. T'as rien que celle qui monte, il fait mal. Ah, il est là, il est toujours là Van Mar. Il a tenu le coup. Oui, il a tenu la petite pause. On se retrouve dans... Par contre le porté d'aspect, je crois pas qu'il le tiendra. Peut-être pas. On se retrouve dans la descente du col de la Corre. Et nous sommes à 3,8 km du port de Lers, l'avant-dernier col de la journée. Donc Winning et de Frico est parti chercher des points pour le maillot du meilleur sprinter qui va sans doute revêtir à égalité. Alors que Clément, Geniez et Serpa sont juste derrière. Et le peloton est à 2 minutes derrière, mené par l'IA et par la Sky. La Sky était bien mal. Oui, donc par l'IA aussi. Et comme IRL, le bonnet a chuté. Bon, il a pas abandonné, mais. C'était pas l'étape du mur de vie. Hein. Et comme vous pouvez le voir, Pinot est à sa forme depuis le début du tour. Alors que moi, Kato, et non, il est pas dans la vraie forme. Le mec plus 4, non, je pense pas. Alors. Bah, il est pas forcément pour enfant, c'est juste qu'il cherche pas à jouer sa carte. Mais mec, regarde dans la table d'aujourd'hui, il s'est fait lâcher pendant un moment. Enfant. Wouah, les pompiers. Désolé, j'ai essayé de cacher le son, mais j'ai pas pu. Je ferme la fenêtre. Oh là là, mais les Sky, calmez-vous là. Ça semble beaucoup trop fort. Il faut exposer ça un petit peu. Allez, trop tôt, je trouve. Tenez le coup, Lietz. Merde, ça s'en va.
Je vais pas arrêter de rouler. Putain, groupe, là. Oh là, le groupe qui sort là. Voilà. Et ils font la cassure derrière en plus. J'essaie juste de sortir moi. Allez, Simon. Mais putain, gâteau. Y'a 4 Sky. On se croirait dans la réalité quoi. Oh là là, le retour de Simon Yates, amené par Simon Guérande. C'est incroyable. Alors que Kotowski est en difficulté à l'arrière du peloton. Comme Costa. Bah, non. Non, ils sont très bien. C'est le problème, c'est juste qu'ils ont pas. Allez, Simon Yates plus 2 là. Allez, ça va revenir, ça va revenir. Bon bah, Winning, on va laisser dasher. Hein. Contador, il faut une petite attaque déjà. Oh là là, ça attaque déjà, on se croirait sur les autres PCM. Oui, c'est en 2014. Ah, j'ai toujours pas ma forme définitive. Moi j'ai 2 plus 2 pour Adam et Simon. Plus 1 pour Ah bah Pino qui se fait lâcher. Pino qui était dans le bon coup mais il a dit oh non, en fait non. Non. Et putain Ongran. Putain ouais. T'as Rodriguez met un rythme de ouf derrière. Et Pino lâché. Ah le quoi ouais, j'ai un gros lag moi. Non Guérande tu vas pas me faire le peloton putain. A ralenti. Les leaders se désintéressent de l'échappée des mecs. Alors là j'ai un lag de ouf. D'un coup j'ai Rodriguez Martin qui sont partis, je me suis fait totalement lâcher. Ah mais ça arrive, quand t'es en garde de position, des fois tu te fais défoncer comme ça. Mais non mais là j'ai eu un gros lag en fait. C'est d'un coup. C'est même pas progressivement, c'est d'un coup, je me fais totalement lâcher. Pourquoi tu roules comme ça IBE? C'est au tour de Jean-Christophe Perrault de partir en contre maintenant. Tu cherches le maillot à poids ou quoi? Non quoi. C'est juste pour pouvoir revenir, quoi. C'est tout. Non, les gates, winning là, winning, fais pas chier. Eh, hey, dégage, Clément. Normal, il y a un passif. Oh là là, le bloc, Israël. T'appelles ça passif, toi? Eh ben, normalement, les coureurs vont devoir se méfier de cette descente réputée dangereuse. Je vais rouler Plaza et Serpa pour essayer de revenir. Attends, ils sont trop bons en descente? Non, ça va. Kato qui va chercher les bidons. Moi j'ai Adam qui monte bien que Simon. Ah oui, t'as les deux Yates aussi. Pas mal. Ouais, ils sont plus. Ouran, il est aussi moins bien, quasiment aussi mal que Kato. Sauf qu'il a pas sa forme définitive. Bon, les deux ils sont en plus 2. Ah, ils sont partis déjà. Ah ouais. Ah ouais, ah, d'accord. Mais ils sont loin là, hein. On a une minute de retard. Une minute 30. Alors Simon ouais, est mieux qu'Adam. Comme IRL, non. Non, c'est l'inverse. IRL, on sait pas. Ouais. Adam, c'est l'autre. Hein. Adam, il vient de faire 2 top 10. Non, mais enfin, en montagne, oui. En montagne, oui. Mais par exemple, en vallon. En vallon, ouais. Par exemple, sur comment s'appelle, l'étape du mur de Huy, sincèrement, Simon Yates, le mec, il avait chuté, etc. Il finit 8ème. 6ème. Bah, ouais, c'est un puncher. Simon, c'est plus un puncher. Bah Adam, il a fait le mur de Bretagne. Les gars continuent d'augmenter. Oui, mais le mur de Bretagne, c'est moins compliqué que le mur de Huy. Ouais, un petit peu. Ouais, c'est pas les mêmes pourcentages non plus. Heureusement que j'ai un bon descendeur, moi, pour rattraper tout le monde. Hein. Qui c'est à côté de lui? Bah oui, mais regarde ce qu'il est en train de faire. On avait une minute hein, sur le groupe pour Rodriguez. Ah, oui. Parce que mes coureurs, il y a encore Nibali et Froome. Par contre, s'il y a Nibali qui roule, ça va être un poil plus compliqué à rattraper. Non, par contre, Kato. Ah, c'est dur. Ouais, ça, Kato, il s'arrête. Ça va vite là. Bon, tiens, il roule pour moi donc, Zef. Ouais. Allez, 30 km encore. Il reste 30 km quoi. Je suis bientôt full. Moi aussi je suis bientôt full. Pas moi. Enfin je suis encore loin, je suis au début du gel. Je suis à la fin du gel. Enfin milieu. Moi je suis large. Ouh là 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 là, mais quelle chute spectaculaire. Mais dire. Chute de Langevel. De Langevel, pardon. Ah, mais il va abandonner apparemment.
Ouais, il faut manivali, vous êtes fatigué, arrêtez de rouler. Ils sont en train de se fatiguer. Ouais. Bon, après, c'est l'IA, des fois ils sont cheatés. Non, ils sont cheatés, point. Il n'y a pas de des fois. Si tu joues pas en facile, ils ont des meilleures notes que toi. Non, normal, ils ont les mêmes. Ah non, ah, c'est en normal qu'ils font les mêmes, en facile ils sont un peu moins bons et en difficile ils sont un peu meilleurs. 4 km. On va arriver à 4 km du plateau de Bay. Avec Froome et Nibali qui sont un petit peu morts normalement. L'écart se creuse. L'échappée ira-t-elle au bout? Ça roule fort sur le plat là, arrêtez de me fatiguer. Mec, ça roule pas fort, je suis allé faire pire sur 55, je te remercie. Bah moi ils sont nuls sur le plat. Ah, je suis 68 moi j'ai. Hein. Ah bah 65, 67. Oui, c'est pas beaucoup mieux 68. Et c'est parti, et on vient, on va. Même pas. Merci. On n'est pas passé loin de les rattraper, 15 km. Pourcentage moyen de 7,7%. Il reste maintenant 15 km de course. Oh, Makato, il est pas ouf là. Comment ça vient? Acosta là, oula, il est assez bas dans le groupe. Oui. Si je le fais remonter. Je suis sûr les Yates vont faire un bon truc. Je sais pas. Pourquoi pas. Je sais pas. Et attaque de Valverde. Putain, pourquoi ils attaquent là? Putain de bot. On se croirait sur PCM 2014. On a même pas rattrapé le groupe qu'ils attaquent. Précédent. Moi aussi se crève. Pourquoi hein? Encore une attaque, peut-être l'échappée décisive. Cette côte présente de redoutables pourcentages. Si je veux pas les crever, ça va être dur. Froome est parti. Froome est parti. Par contre, pour moi, ça lag un peu. Ah, ça me pète les couilles. J'étais sur le point de faire des écarts là. Dan Martin s'est relevé et Perrault qui a fait l'effort pour vous ramener. Oula, Costa. T'es en combien avec Costa? 74. T'es en quoi? Quoique je suis à 75 avec Pino, je suis pas vraiment. Non, mais t'es en combien? T'es en plus quelque chose? Plus 1, ah oui, pardon. Plus 1. Encore 10 km à parcourir. Bon, moi je vois pas mieux. Non, je veux faire que ça, moi. Je peux lâcher mon clavier, hein, je vais laisser les forts curseurs comme ça, parce que sinon je vais tuer mes coups, je vais les tuer les pots. Putain, Martin. Perro. Putain, les bidons, merde. Bon, derrière. Woodpulse qui arrive à suivre sur Pino quand même. Ouais. La liste aussi. Ah bah il vient de lâcher. Il vient juste de lâcher. Rodriguez qui part. 8 km, un truc jamais vu. Qui va chercher. Il est revenu sur Froome. Poum, comme ça. Une attaque. Poum. Mais les barques descendent super vite. Ouais, elles descendent tellement vite là. Putain. J'étais à 75 c'est... là, je suis obligé. C'est impossible de gérer. Moi j'étais à 70 et les barres elles descendent quand même. Aïe. C'est chaud. Là, je vais devoir lâcher complètement le truc là. Je vais devoir viser une 10ème place. Contador qui craque. Oh. Comme il rêve. Ouais, c'est bizarre ça. Il devait être à moins 5. Non moins 5, moins 5 il aurait pas suivi. Bah, Pino il est en moins 1 et pourtant il fait le rythme. Oui, mais moins 1. La différence entre moins 1 et moins 5. Moins 5, c'est genre tu perds 6 ou 7 points. Enfin, même one, plus. Tu craques. Non, moins 5. Pour moi, le plus 1, c'est 1 point. Plus 2, c'est 2 points. Ah non. Ah non, moins 5, c'est tu perds tellement de temps. Attends, j'ai réussi à revenir. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Mais... Il doit pas être bien, la Pino aussi. De quoi? Il doit pas être ouf, Pino. Non. C'est pour ça que je fais prendre des. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Ouais, ça paraît pas que l'acheteur finisse devant quand même. Eh, mais t'es ouais, il est mort, il est mort, bah ouais. Mais je suis pas ouf. Je vais pas tenir pire. Ah. Ah ouais, c'est la fin de Costa. Il est mort. Je vais rattraper Contador. Nibali est mort. Ah, alors est-ce que Pino va retenter là? Non, il peut pas. Je crois pas. Non, moi aussi, je pourrais pas aller prendre. Est-ce que Uran peut le faire?
Non, je suis vraiment pas ouf non plus. Je suis qu'en plus 1 en fait. J'ai commencé avec un plus 2, mais je suis qu'en plus 1. Et Pino qui va prendre la tête à 2 km de l'arrivée. Ah, il est mort. Ah, c'est la fin pour Pino. Allez, Oran. Allez, on accélère avec Oran. J'ai une bonne sprint, hein, Oran. Je crois que face à Valverde. Eh, vas-y, fais chier les autres. C'est allez. Parti pour le sprint final. Qui va être le premier sur la ligne aujourd'hui? Allez. Ah, troisième. Troisième. Il est allé puiser au plus profond de lui-même pour décrocher la victoire. Et je vais chercher la 7ème place avec, avec Simon Yates. Et Adam devant Conta. Eh, franchement, bien joué avec, avec 77. Ah. Bien joué. Ah. Ah non. Oh non, l'enfoiré. Que je t'attends 10. Et après, t'as. T'as Martin, Perro, Pouls, après t'as Kato. Alors, est-ce que je peux jouer classement par équipe ou pas? Non, normalement ça va être moi. J'ai Nes qui arrive, mon Rabito est pas long. Et t'as Roi qui est dans le peloton. Bon, mal placé dans le peloton, mais il est dans le peloton. Mon Rabito vient d'arriver. Ah, Winning, il a plus de barres vertes. C'est quoi ta pocket? Ah, il y a l'attaque de Mollema. Putain, ce Tibar il est mieux que Martin. Oui. Michel Golas qui a 3 km. Waterbridge qui a 7 km, 6 km. Bah, ouais. Il y a Ladenous qui va plus tarder arriver là. Il est totalement mort. Qui va faire le sprint? Le connard va plus tarder aussi. Oula, moi je vais accélérer avec mes coureurs là derrière parce que sinon il va être hors délai comme Bonnet d'ailleurs. Pozzato d'ailleurs. Tu sais, il y a 200 km donc. Pozzato. Il y a 200 km. Hein. Attaque de démarre. Marc qui sprint. Putain. Pozzato. Ouais, c'est beau. Non, mais parce qu'en fait, il était tranquille dans le groupe. Il a 64 en montagne. 64, oui. 62 d'heure, oui. Oh merde, le hors délai. Non, pas de hors délai. Et la piou. Yes. Ça, tu sais pas encore. C'est pas. C'était des oh, bah, belle victoire, c'était de Chris Froome. Voici moi, maintenant un petit les points forts de la course fois. Que nous alors, avons. Est-ce que ça va faire comment tu vas se votre attention. Est-ce qu'on va encore avoir les bons pronos? Ouais, j'espère pas. Franchement, j'espère pas. Bah, ça peut se passer. Moi, bien chier. On va se finir sur mon front. C'est probable. Bah ouais, Froome il est fort. Voilà, on verra en troisième semaine. Ça va, je suis content, moi, de voir. On a été un petit peu plus fort. T'as vu quand même à me massacrer. Bah, mais ça, c'est parce que t'es mauvais. Bah, ouais, t'es en combien en forme? Plus ça. Combien en montagne? 80. Ouais, moi j'arrive, je fais 2 top 10, je suis content. Je suis derrière la lampe. Je suis 7, 9 ouais. Et. Oh, ouais, FDJ Eureka, c'était chaud. Hein. Winning, c'est le maillot vert. Yes, j'ai gagné quelque chose. Et puis nous qui le gagnons. 6 secondes. Oh, les boules. 6 secondes. Ah non! De quoi? 6 secondes de quoi? Le meilleur équipe. Ah, c'est con, hein! Ah ouais, c'est 6 secondes. Ah, bon, c'est dommage. Bon, ça va, je fais 7 et 9 avec les frères Yates, je suis content. Ouais, ça va quand même. C'est pas mal. Ouais, je me suis débrouillé. Le plus 2 a bien aidé. Et y a-t-il des hors délai? Non, pas de hors délai. Non, et non, c'est Dirt Bridge. Ouais. Enfin, en termes d'équipe, je suis pas trop mal aussi. Oh, j'en ai 4 dans les 20 hein, aussi. Dans les 20 derniers? Les 20 premiers. Moi, je te parle des derniers là. Ah. Moi, j'en ai. Ouais, moi aussi, j'en ai 3 dans les 17 premiers. Ouais. J'en ai 3 dans les 10 derniers. C'est pas mal, non? Ah, ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Et sinon, j'en ai 2 dans les 15 premiers.
Parce que mon troisième est... Moi, j'en ai deux dans les 10 premiers. En fait, 5, 15 et 17. Dans... Moi, j'ai 3, 14, 72. Et 4, 15, 17, oh, 69. Hein, Martin était en moins 3. Il était en moins 3, le pauvre Martin. Il ne peut pas faire grand-chose. Oh, alors, selon vous, qui c'est qui va gagner? Bah là, c'est échappé. Si échappé veut vous, BNTS. Et si le peloton revient? Bah, fou. Ouais, fou. Fou mais... moi, je vois bien Bardet. Non, Bardet, je sens pas. Bah, non. Bardet, il était pas bien hier, il a pris un coup de chaud, peut-être qu'il a récupéré. Hein. On verra. Un coup de chaud, ça dure pas 3 jours. Mais je sens pas. Comment? Bien. Moi j'aimerais bien qu'MTN en gagne une sur ce Tour de France, donc j'aimerais bien que ce soit MTS. Mais... De qui la MTN? Ouais, oui. MTS il a la MTN. Ouais. Non, j'avais juste pas compris ce que tu disais au début. Est-ce qu'on va avoir une quatrième ou une cinquième prono? On verra. J'espère pas. Oh. Bon. On verra ce qu'il en est. Avec Chris Froome. Mais sur ce, salut tout le monde, et comme le dirait Gérard Rolls, vive l'espoir sur France Télévisions.